Tu as prévu comment tu rentres ce soir ? Évite de te mettre dans des situations à risque. Ne t'arrête pas. Ne souris pas, ne réponds pas. Ne regarde pas. Le public interroge la place des femmes dans l'espace public. Oui, nous sommes des femmes publiques dans l'espace public. Et nous y avons une place. Mais néanmoins, on va aussi vous raconter que ce n'est pas si simple que ça d'y avoir une place. Tant qu'il y a de l'espace devant nous, il y a de l'espérance. Chaque année, l'Université Lyon 2 met en place, autour du 8 mars, des actions de sensibilisation concernant les questions d'égalité hommes-femmes. Cette année, on a fait le choix de cette compagnie. Elle permettait un travail avec des étudiants et des étudiantes volontaires de l'établissement. La compagnie ACT, c'est une compagnie lyonnaise. C'est une chance, en fait, de pouvoir pousser la porte de cette université. Du coup, là, on retrouve aussi toute une dynamique de brassage, d'idées, de culture, de réflexion autour de ces questions de genre et d'égalité des genres. C'est important que des étudiants et étudiantes puissent travailler sur des projets un peu en co-construction. Et l'avantage de bosser avec des étudiants, c'est qu'il y a un espèce de peps, une dynamique qui est assez magique. Je suis la compagnie ACT, un petit peu dans leur projet depuis le début de ma thèse, parce que je travaille sur la création partagée en danse contemporaine. Je suis un peu entre amateur, amatrice et danseuse professionnelle. Donc c'est pour ça aussi que j'avais envie de voir un peu comment travailler avec différents publics en danse. Alors le spectacle se passe au casque. On emmène une centaine de spectateurs et de spectatrices que l'on va embarquer pour 2 heures dans la ville pour une déambulation. Et le spectacle est scénarisé de A à Z. Tout se passe visuellement, des scènes dansées, des scènes chorégraphiées, mais aussi évidemment dans le casque avec des choses que l'on entend. Nous allons égrener des scènes, des tableaux, et chaque tableau évoque une facette des inégalités de genre dans l'espace public. C'est mené par 2 danseuses et un musicien qui, en direct, lance des médias dans le casque. Et c'est accompagné, et ça c'est très important, par 20 complices, ici des étudiants et des étudiantes, qui vont travailler avec nous en amont du spectacle pour avoir des rôles différents à l'intérieur du spectacle. Parfois, ils sont complètement mélangés aux spectateurs, aux spectatrices. Incognito. Parfois, ils vont avoir un rôle de dynamiseur. On imprime un rythme de marche assez vif pour emmener notre public et faire comprendre que, ok, on est parti pour 2 heures dans la ville, donc on va pas traîner la patte. Et du coup, on est vraiment acteur du spectacle. Et donc moi, c'est ça, mon rôle, je suis un des complices. Donc là, on a répété pendant 3 semaines. Et là, on va vraiment pouvoir montrer avec du public le spectacle. Je leur parle dans les oreilles, donc je peux chuchoter parfois. Je peux leur donner des indications, ce qui fait que le public est non seulement spectateur et spectatrice de ce qui se passe, mais il devient aussi par moments acteur et actrice de ce qui est en train de se jouer. Et c'était notre désir de fonder un spectacle pour que les spectateurs et les spectatrices ne soient pas passifs, mais vivent les choses à l'intérieur d'eux-mêmes aussi, les vivre dans leur corps et les vivre avec leurs émotions. Bref, traversent vraiment des situations. Après, je m'arrête, je prends 5 minutes. Je planifie ma vie toute ma vie. J'ai vécu, je vis ta vie, ma vie. T'as vu ta vie ? Mais chérie, fallait me demander. Je t'aurais aidé. L'idée, c'est vraiment de se rendre compte et de vivre ce que des femmes peuvent vivre dans leur quotidien. Et je pense que toutes les complices qui participent, pour nous, ce n'est pas forcément des choses nouvelles, parce qu'on connaît très bien ces situations-là. On va être dans la rue, sur des bancs, on va expérimenter différentes choses. Et donc, ça nous permet aussi de reprendre une place dans l'espace public qu'on n'a pas forcément toujours dans notre quotidien. Moi, en tant qu'homme, surtout, j'ai pas l'habitude forcément de ressentir ces choses-là. Et ça fait vraiment réfléchir et moi, ça va changer un peu ma manière de voir les choses. C'est une bonne manière aussi d'être plus proche de la cause féministe et de toutes ces questions-là qui sont vraiment très importantes dans la société actuelle, en tout cas. On va se poser des questions comme combien de place prend la femme par rapport aux hommes? Quelles sont les attitudes des hommes envers les femmes? T'as vu, elle t'en fout, Sophie, là. Oh, t'as vu, je veux te protéger, là. Je veux te protéger. Mon copain veut te protéger, et en plus, tu le repousses? Ok, je vais le laisser faire, maintenant. Non, mais attends. Ok,
Allez, je vais les laisser faire. Viens là, viens là. Allez, maintenant c'est bon. C'est bon, c'est bon, là, ça suffit. Je pense que toutes les femmes et aussi les hommes qui sont là ont envie de dire quelque chose de cette situation, que ce qui est injuste. Et donc on a envie de changer un peu la donne. Une action qui est assez lourde, hein, comme on peut l'imaginer, et qui a donc mobilisé beaucoup de services, y compris évidemment le service culturel, mais pas que. Hein. Ce qui était très intéressant aussi, c'est de permettre à une action de Lyon 2 de se situer hors des murs de Lyon 2, et donc finalement de toucher aussi la population. Et ça va interroger aussi les Lyonnais qui vont assister à cette action. Le spectacle m'a émue, c'est porté par une université, donc c'est pas anodin. C'est original, la déambulation dans la ville. Et puis ça permet d'interpeller les gens, même s'ils n'ont pas forcément compris de quoi on parlait parce qu'ils n'avaient pas le son. Si ça peut interpeller des personnes et puis leur faire prendre conscience de certaines choses, pourquoi pas. Moi, j'ai bien aimé d'aller dans la ville à la rencontre des gens. C'était très fort. Très fort et un très, très beau spectacle. Très émouvant, plein de tendresse. Moi, j'ai eu beaucoup d'émotions par moments. C'est un message vraiment encore qui, hélas, encore maintenant, a besoin d'être encore et encore et encore diffusé. Je suis vraiment hyper heureux de pouvoir participer à ce projet et d'avoir osé me lancer dedans. Eh ben, je me suis carrément éclatée. Trois belles représentations complètement différentes les unes des autres. Des super complices qui vont jouer le jeu depuis le début, qui sont à fond. Super partenariat, des conditions vraiment d'accueil top. Une super belle ambiance, une super belle énergie. C'était parfait quoi. Dans la rue des femmes seules, et voilà la liberté. Comme elles,